Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Les amis, dans cette vidéo on est parti donc pour récupérer et ce petit Monster Truck, donc le Proto Up One, modèle de 1930, édition Monster Truck tout simplement. Alors allez, donc Monster Truck on débloque à l'icône 850. Allez, on récupère. Voilà, c'est récupéré. Oh, donc voilà, la prochaine, et écoutez, à l'icône 1000, la petite Bugatti édition carbone. Voilà, donc vivement. Bon, après, je vous avoue que je cours pas derrière les trophées, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Mais bon, c'est sûr que la carbone, elle fera plaisir. Alors, allez, donc les amis, on s'échappe de là, on va aller à mon garage. Et on va voir un peu ce qu'il nous propose niveau customisation. Après, on ira se faire une petite course de Monster Truck. Voilà. À savoir que c'est bel et bien une activité que je ne fais jamais. Alors, le garage. Où est-ce qu'il est ? Alors, on va aller, bon, allez, on va aller ici. Garage, maison de pauvre, on va dire. Bon, en même temps, avec toutes les voitures que j'ai mis dedans, hein, je crois que c'est plus trop une maison de pauvre, mais bon. Bon, on va dire maison où il n'y a pas d'hypercar. Voilà. Allez, vous savez quoi? On va le mettre ici, hein, à la place de cet avion. Changer de véhicule. Alors, le Monster Truck. Ah ouais, donc là. Ah ouais, non, je peux mettre que les. Je peux mettre que l'avion là. Ok, d'accord. Bon, bah, on est obligé d'aller en dessous. On est obligé d'aller à l'étage du bas. Alors, l'ascenseur est là. Ah bah voilà, bah, je vais le mettre là, à la place de la petite Dodge. Alors ça ouais, et refuser. Allez, on change de véhicule. Alors, où est-ce qu'il est? Ça devrait être pas très loin, je pense. Hypercar. Lambo. Ok, ok. C'est ici. Voilà, il est là. Regardez-moi cet engin de malade avec les cornes, les cornets qui sortent du moteur là. Ouais, c'est un bon avion de chasse. Alors allez, customiser les amis. On est parti, je sais que là il y a du très lourd sur cet engin là. Customiser. Hop. Alors allez, pièce esthétique. Alors déjà le capot, comme vous voyez, il y a 24 modèles de capot. Voilà, donc là on a avec les pots qui sortent de chaque côté comme ça, bien bien agressif. Le premier c'est celui-là, voilà, avec les deux cornets de chaque côté et l'échappement qui part vers le dessous. Alors après celui-là, après on a ça, donc avec une petite prise d'air là au centre et les sangles en cuir là qui ferment le capot. Ok, voilà, donc ça c'est pas terrible terrible. Ça je suis pas trop fan non plus. Ouais, ça c'est pas mal, mais bon, le problème c'est carbone quoi. Carbone, j'aime pas trop. Pour ça, on va dire. Ok, donc là, ouais. Alors la différence. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai compris. En fait, vous voyez, là, il n'y a pas de garde-boue. Et vous voyez là, il y a tout un tas de garde-boue en plus qui viennent se mettre, qui viennent se rajouter garde-boue et bas de caisse aussi. Hein. Voilà. Donc ok. Et là, je pense que à chaque fois, ça va être pareil. Ils vont nous remettre avec le même style de capot. Ok, ça roule. Donc alors le prochain, c'est celui-là. Et alors quelle est la différence? J'en sais rien du tout. Oh ouais! Ça c'est pas mal du tout. Donc là le capot il a sauté et on a le... ouais, je sais pas trop comment ça s'appelle, le truc qui prend l'air là au-dessus du moteur. Voilà. Ok. Ok. Ok, donc là c'est tout avec le carbone. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Alors là, oh ouais. Paul, oh, stylé les pots, vous avez vu, carré. Oh, franchement, c'est stylé. Franchement, oh, on a à mort de choix. Est-ce que je me mettrais pas celui-là? Je le trouve super agressif et je trouve que ça fait vraiment stylé sur un Monster Truck. Allez, je vais partir là-dessus, les amis. 3000 balles, c'est pas cher. Alors après, pare-choc avant, 63 pare-chocs différents, les amis, il y a de quoi faire. Allez, on va vite passer donc le premier et le deuxième.
Ok. Ouais, pas mal. Ok. Ok. Ouais, donc ça, on dirait un truc un peu de chevalier. Ah, j'avais même pas vu, il y a une petite tête de mort au-dessus. Pas mal. Ouais, pas mal aussi avec la tête de mort. Ouais. Oh oui, joli. Avec les deux têtes de mort de chaque côté. Ça, c'était pas mal. Ah, ça, j'aime bien aussi. Avec le pare-choc comme ça devant. Si on peut appeler ça un pare-choc. Ok. Ouais, donc là, ils vont nous mettre tous les différentes calandres avec ce pare-choc là. Ok, ça marche, j'ai compris. Alors, après la suite, on a une petite sacoche en cuir là, en bas. Ouais, donc là, pareil, avec tous les différents types de calandres. Alors après, la sacoche en cuir, ça passe sur un petit, comment dire, un petit baril. Alors est-ce que c'est pour mettre le liquide de refroidissement? Est-ce que c'est pour mettre l'essence? Je sais pas du tout. En tout cas, il y a un petit bidon devant, couleur chromée, pas mal. Alors la suite, ok, donc là, c'est clairement un gros pare-choc. Alors allez, on va faire défiler jusqu'au prochain. Voilà, avec la tête de mort. Ça j'aime bien, ça franchement j'aime bien. Est-ce que je me ferais pas un peu style comme j'avais fait donc ma Up One là, mais mode street racing. Franchement avec la tête de mort j'aime bien. Alors ça c'est pas mal aussi mais bon. Voilà donc ça c'est le dernier modèle. Alors pourquoi pas avec la tête de mort, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait pas mal. Oh ouais, avec les deux têtes de mort derrière, ça fait vraiment stylé en plus. On va voir. Alors ça fait... Ouais. C'est mieux avec les deux têtes de mort, je trouve, non? Alors qu'est-ce que vous en pensez comme ça? C'est pas mal, non? Là, ça fait vraiment Mad Max à fond. Allez, on va mettre celui-là. Alors les rétros, bon là il n'y a que deux modèles, il n'y a pas trop de choix. Alors c'est ou comme ça ou comme ça. Bah, bon, là franchement, allez je vais garder celui-là. Non. Alors après, alors aile arrière. Donc là on a l'aile avec les petits morceaux de ferraille. Voilà. Alors on va voir après. Donc là ils ont zappé le ferraille, la ferraille. Là. Ouais, il est un peu plus gros, l'aile arrière est un peu plus grosse. Et là, il n'y en a pas. Alors, est-ce que je mets sans, ça donne ça, ou est-ce que je mets avec? Ouais, sans, c'est pas mal aussi, moi, je trouve. Non? Ouais, ça fait pas mal. Alors là, franchement, le choix est compliqué. Allez, je vais partir sur 100. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous aurez préféré. Et peut-être en cas, je changerai en fonction de ce que vous me dites. Voilà. Alors, aileron. Là, pour l'instant, on a un bon gros aileron. Ça, c'est pas trop dégueu. Après, on a un plus petit aileron. On n'a pas d'aileron du tout. Alors, franchement, je préfère nettement plus le premier. Hein. Ça fait clairement beaucoup plus agressif. Donc, je laisse celui-là. Alors, pare-choc arrière maintenant. 42 modèles de pare-choc arrière. Ah ouais, donc là, ok, donc là, on a le baril, pareil, donc là, à mon avis, si celui-là, c'est l'essence, et devant, ça doit être le liquide de frein. Ok, on a le baril derrière, donc là, c'est fermé avec la petite roue de secours. Là, on a le gros, gros baril. Ouais. Coffre ouvert avec les radiateurs. Coffre fermé, tout simple. Avec la petite roue, la petite roue et les impacts de balles. Bon, quand on voit les roues qu'elle a là actuellement, je pense pas qu'il fera grand-chose avec cette roue. Ok, donc là, voilà, donc là il y avait ces pots là, et maintenant on passe sur des pots comme ça. Et je pense qu'on va avoir tous les mêmes modèles pareil. Donc allez, on va passer, voilà, donc jusqu'au prochain pare-choc, c'est celui-ci. Donc là on a le réservoir en bas avec les deux gros pots. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, on va voir le prochain. Ok, ce modèle là, petit pare-choc chromé avec le centre noir et deux petits pots de chaque côté. Alors la suite, ok, donc là c'est, attendez, ouais là il y avait juste le pare-choc qui a changé en fait, ok là c'est pareil, le petit pare-choc chromé, donc là on a un petit truc en plus, ouais c'est pas terrible terrible hein, pour le coup. Alors qu'est-ce que je vais mettre les amis?
Franchement, ok, ce modèle-là, ce modèle-là, ce modèle-là, celui-là j'aime bien. Ça non. Alors moi je pense plus celui-là avec le réservoir. Bon, celui-là, il est pas mal. Alors maintenant quel modèle je vais mettre? Alors c'est où je mets ça avec le réservoir dedans? Ou ça c'est pas trop mal aussi. Voilà, le choix est compliqué pour le coup encore. Sinon je pars sur ça. Sur ce modèle-là. Pourquoi pas ça? Ouais, je pense que je vais partir là-dessus, les amis. Comme ça fait le réservoir en bas, là, au-dessus des pots, avec les radiateurs et le coffre ouvert. Allez, je pars là-dessus. Voilà. Alors, la suite intérieure. Donc là, c'est du orange. Voilà. Alors, le style. Pourquoi pas comme ça? Matériaux. Bon, l'Alcantara. Ok. Allez, va pour Alcantara. Et le tableau de bord, les finitions. Donc on a, olé, le volant en carbone. Avec le tableau de bord carbone, les petits contours là, on a un peu de carbone aussi dessus. Pas mal, pas mal. Après, en noyer. Ouais. Et tout noir. Alors, pour le coup, je pense que je vais zapper le carbone. Et je vais laisser tout simplement le chromé. Alors, c'était où je mettais le noyer, mais bon, comme ça fait pas trop bagnole de luxe, hein, on est bien d'accord. Je vais laisser chromé, c'est parfait. Voilà. Voilà, donc là, on a fini. Pour ce qui est esthétique de cet engin, les amis, c'est quoi ce truc de malade? C'est un truc de fou. Alors, on va voir les livrets qui nous proposent. Oh, c'est clairement un engin de l'espace, quoi. Ok, donc on a le Monster Energy est pas mal fait, j'aime bien. Tout simple. Ok, celui-ci, pas mal aussi. Hardcore, pas mal. Après, on a blanc. Avec une petite ligne, ouais, bof. Pas terrible, terrible. Ça, c'est pas trop mal. Ça, j'aime bien. Ouais, non, c'est minable. Tout noir. Alors, je pense que je vais laisser d'origine. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui me plaise réellement. Ouais. Non, je pense que je vais laisser d'origine. Un petit truc genre avec le drapeau d'Amérique, des têtes de mort et tout pour continuer un peu dans le thème, ça aurait été pas mal. Mais bon, il n'y a pas. Donc, ouais, bof. Ah, drapeau d'Amérique là. Ouais, mais il est pas très beau, hein. Franchement, il est pas très beau. Non, bah je crois que je vais laisser tel quel, les amis. Ok, bon. Bah écoutez, monsieur est pas mal aussi, mais bon. Ouais, si j'aime bien. Alors attendez, l'origine c'est quoi? Ouais non, je préfère ça. Bon bah les gars, allez, je laisse ça. On n'est pas trop mal. Regardez-moi cet engin de fou. C'est mort de rire. Oh, le truc de malade quoi. Alors, ce qu'on va faire... est-ce que je fais une pointe avec cet engin? Ça, je pense que ça sert un peu à rien. On peut aller faire une pointe vite fait, histoire de voir. À savoir les amis que je ne suis pas du tout maxé, mais alors vraiment pas du tout pour le Monster Truck. Il va falloir que je farme un peu cette épreuve, c'est vrai que je la fais jamais. Allez hop. Alors ça va être vite fait de toute façon. Hein. D'origine, c'est pas des engins qui vont très vite. Alors allez, on est parti. Alors on va se mettre une petite vue intérieure, pardon. Olé. Avec le gros truc qui sort du capot là. Allez. 130. On va déjà rouler à 130 avec un monstre comme ça. Mamma mia. Je vous parle même pas de la consommation. Et 160. Alors je sais pas s'il y a 5 vitesses là-dessus. Non, je crois que je suis à fond là. Je crois qu'il y a que 5 vitesses, je suis à fond. 169. Allez, j'envoie. Ah, 170. Bah ok, allez, j'envoie le noce les amis, go. Allez, 179, compteur bloqué, je freine.
C'est quoi cet engin de fou? Oh, mort de rire. Bon, ok. Allez, maintenant, on va se mettre les pièces de performance que je n'ai quasiment pas. Hein. Comme vous allez voir, c'est vraiment pas maxé du tout. 98 sur 140. Hein. 70 sur 140 à la moitié. 33 sur 140. Allez, ok. J'ai pas regardé le nombre de chevaux qu'il y avait sur cet engin d'origine. On va regarder maintenant. 620 chevaux quand même, hein. Vitesse max 193 km/h. Alors que j'étais à 170, je crois, ou un truc comme ça. 0 à 100 en 4 secondes. 10, 4 secondes 10. Ouais, c'est quand même pas mal. Bon, ok. Allez, oh, l'engin, il est magnifique quand même. Allez, on s'échappe de là. Ça me changera de ma petite Abarth. Allez, vous savez quoi, on va partir de là, hein. Ça sert à rien de retourner. Enfin, quoi qu'on va faire un petit demi-tour, j'ai l'impression qu'il y a plus de longueur. Allez, on est parti. Go. Alors, déjà à 130. Allez, 160. 170. Oh, j'avais pas fait gaffe, il y a le NOS qui sort de devant aussi. 187, 8, 9 et 190. Bon, je crois que j'ai pas pris la bonne décision en passant par là. Allez, NOS. Oh, c'est stylé, ça sort de partout. 197. 197 km/h, les amis. Le NOS qui sort de partout, de devant, de derrière. C'est vraiment stylé quand même. Allez, on arrête. Et ben, en plus, je crois que ça tombe bien parce qu'il y a un petit circuit de Monster Truck qui est juste à côté, si j'ai pas de bêtises. Voilà, ici, bah allez, on va le faire. On va le faire, voyager vers. Et allez, on va tester cet engin. Ça va me débloquer un peu des petites cartes. Par contre, je vais le faire en facile hein, parce que je suis vraiment un noob sur ça. En fait, je l'avais fait un peu au début, histoire de progresser dans le jeu et de valider mes courses. Et c'est vrai que depuis, je ne l'ai plus refait. Allez, c'est parti. Allez, on va récupérer les quelques petits points qui sont là. Voilà, très bien. Très bien. Là aussi, très bien. Ah, là, il y a un 1000. En espérant que je réussisse, c'est bon, je l'ai pécho. Alors maintenant, je veux monter tout en haut. Pour prendre le 5000 qui est tout au centre là-haut, le bleu. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille pour me récupérer ce truc? Alors là, je vais passer par là. Oh, un petit 500, ça fait plaisir. Alors un petit... Ah bah voilà, là. Je vois qu'il y a une petite rampe qui monte là où il y a le 500 en l'air là, à droite. Allez, on va essayer de le prendre. Allez, demi-tour. C'est-à-dire, donc, vous avez vu que c'est les 4 roues hein, qui sont directionnelles. L'avant et l'arrière tournent. J'avais pas fait gaffe. Allez, hop. Voilà, ça c'est bon. C'est ok. Maintenant, il faut que j'aille donc sur la droite. En espérant que j'ai assez de puissance pour pouvoir sauter. Je sais pas, on va voir. Ouais. Oh, il s'est bloqué net le truc. Non, non. Ouf. Oh là, j'ai eu très chaud aux fesses. Là j'ai eu très chaud, très très chaud aux fesses. Allez, à fond. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, oui, 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 oui. Parfait, parfait, parfait. Voilà, ça c'est cool. Là, je suis content. Alors. Qu'est-ce qu'il y a moyen de choper dans le coin là si je reste en haut? Là il y a encore quelques petits jetons. On va aller les prendre, il reste 55 secondes, je suis à 14 000. Allez, ça c'est fait. Ah bon, c'est pas grave. Eh ben écoutez, je vais continuer. Ah bah je suis déjà à 15 000 donc ça c'est cool. Allez, je vais essayer de gratter les quelques petits jetons qui sont là. Allez, ceux-là, ils sont faciles. Allez, on va faire un petit looping, hein, tant qu'à faire. Olé. C'est vrai que c'est quand même trippant. Oh ouais. Oh ça fait plaisir.
Allez, là encore. Voilà. Oh, dis donc, j'ai raté un beau 1000 là. C'est bon, j'ai pécho 1500. Bon, ben voilà, il reste 10 secondes. Allez, j'arrête là. Hop là. Allez, c'est bon. 2 secondes. 18008. Allez, c'est parfait. Bon, ben voilà, c'est cool. C'est cool. Bah, ça me fera. Bah, je vais pécho des petites pièces maintenant pour le moteur, ça c'est bien. Il va falloir que je farme un peu cette épreuve, hein, vraiment. Allez, super. Bon, bah, dis donc, deux petites pièces. C'est pas avec ça que je vais être riche. Bon, bah, voilà, en tout cas, les amis, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah, dis donc, il pleut, ça y est. J'espère que la customisation. Oh, ouais, dis donc. J'avais pas fait gaffe, mais ça fonctionne aussi, les petites valves là qui s'ouvrent. De prise d'air à moteur là. Ouais, stylé. Entre ça et le NOS, bah, franchement, c'est du lourd. Bon, voilà, les amis, sur ce, bah voilà. Donc, comme j'ai dit, vidéo finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et j'ai plus qu'à vous dire bon jeu à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, à plus, les amis, à plus. Ciao!